Je vous emmène dans la serre, voir un peu ce qui s'y passe. Alors là, nous avons un semis de céleri à couper. Alors sur le côté, vous avez de la menthe. Dans les pots, là, c'est de la menthe. Différentes variétés. Donc du céleri à couper. Et puis toutes mes variétés de choux. Sont en train de pousser. Ici, des feuilles de blettes, un quart de rouge au fond et des blettes blondes ici au bord. Toujours des choux. On est des grosses consommatrices de choux, donc il y en a beaucoup. Toutes des variétés différentes. Alors j'ai pas mon petit papier avec le nom des variétés, donc je le rajouterai sur le blog. Alors là, il y a un reste de salade d'hiver qui sont en train de monter. C'est en grande partie de la Mizuna japonaise et puis il doit y avoir un peu de roquette entre deux. Ici, deux pieds d'oseille épinards, un petit essai de betterave en jardinière, ça n'a pas fonctionné. Alors dans la double serre, les semis sont en cours. Alors, allez voir, il y a quelques gombos qui sont en train de sortir. Ici, mes pieds d'artichaut. Un pied de concombre mélotri. Ici aussi des concombres, uberski. Alors là, un pied d'oseille. On va aller de l'autre côté. Alors c'est un peu serré, hein. Pour circuler, c'est pas évident. Voilà. Alors ça, c'est des radis d'hiver qui restent. Là, mes radis de printemps. Avec, je sais pas si on voit au fond, des échalotes à semer et des oignons à semer. Alors les oignons, ils commencent seulement à pousser, je sais pas si on les voit bien. J'essaie de zoomer. Comme c'est la première fois que je fais une vidéo avec cet appareil photo, c'est pas vraiment ça. Hein. Alors la roquette, ça j'en ai eu tout l'hiver et là elle est bien repartie. Un petit pied d'oseille épinard, du chénopode bon riz, là aussi, de la sauge, et voilà tout ce qu'il y avait dans la serre.